Ça va? Ouais. J'ai bien cru que c'était foutu pour moi. Merci de m'avoir sauvée, d'ailleurs. C'est normal. Alors, eux, c'est les Wolves. Et ils ont plein d'armes. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu pensais qu'ils seraient autant avant de partir? Tommy m'avait dit qu'ils pourraient être nombreux. Ça change quelque chose pour toi? Non. Ces gens sont pas comme nous. On aurait pu être des réfugiés. On aurait pu, je sais pas, avoir des infos utiles pour eux. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement. Il y a un truc qui tourne pas rond. Pourquoi ils vous ont pas tué, Tommy et toi, quand ils en avaient l'occasion? Je sais pas. C'était risqué de leur part. Peut-être qu'ils sont juste cons. Peut-être que... Quoi? C'est pas après vous qu'ils en avaient. Et donc ils vous ont lâché. Ouais, après nous avoir mis une belle raclée. Ce connard de Jordan m'a défoncé la tête. C'est vrai, mais pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout en... C'est pas important. Ils ont eu tort. C'est clair. Elle s'appelle comment déjà la fille de la note? Celle de la station télé. Léa. C'est elle qui... C'est elle, la fille avec la tresse? Non. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est de l'avoir entendue pleurer quand j'ai planté cette espèce de sadique. Alors, comment on va s'y prendre avec elle? On va la faire parler. Faut qu'on sache où trouver les autres, on verra après. Tu comptes lui demander pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Est-ce que ça te rappelle des trucs que Joël aurait pu dire sur son passé? Rien de nouveau, non. Tu crois qu'il aurait pu
te cacher des choses ? Carrément. Il était pas du genre à parler de lui. Je me demande ce que Tony en pense de tout ça. Il doit savoir qui Joël avait comme ennemi. Tu fais quoi avec ça? Je reviens tout de suite. Je monte la garde. Quoi, ce truc? Une sorte de bombe? Ça valait le coup? Ouais. Un beau butin. Je vois toujours les immeubles. On y va comment? Voyons voir. Avec lui, on va faire ces putains de burritos 3 fois par semaine. J'en ai ras-le-bol. Je commence à avoir faim. Arrête un peu de parler de bouffe, alors. Ouais. Ah. Hey, putain. Quelque part dans le coin. Et on est sûr que c'est pas une Scar? Elle était à cheval. Non, c'est pas une Scar. Alors les Scars vont lui régler son compte. Allez. On n'arrivera pas à la porter avec une Scar désinfectée. Tant mieux. On va plus qu'à retrouver le corps et à rater. J'ai cru voir quelqu'un. Je vais voir ce qui se passe.
non. Du bruit. Je vais regarder ce que c'est. Je reste en alerte. T'as quelque chose ? J'ai que dalle, moi. Mieux de courir. Ok, où tu te planques? Quarantaine. Ouais, elle est grande. Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout ? J'espère que non. Comment ils font les intrus pour entrer ? Voilà la suite. Ils prennent le même chemin que les déserteurs. Je vais te dire, je déteste encore plus les déserteurs. Moi, j'en ai rien à battre. S'ils ont pas envie d'être là, c'est leur problème, pas le mien. C'est des putains de traîtres. Au moins, avec les Scars, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Comme je viens de le dire, j'en ai rien à battre. Choper Léa toute seule. Il y a du monde partout dans cette ZQ. On a juste besoin d'une minute pour lui parler. Tu vas l'obliger à parler ? S'il le faut. La vache. Quand je pense que cet endroit sera bientôt désert. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on se replie. On se replie pas. On se rassemble, c'est pas pareil. On a mis des mois à sécuriser la zone. Les chefs savent ce qu'ils font.
Enfin, je suppose. J'ai cru entendre un bruit. Je vais voir ce que c'était. Putain, baissez-vous! Quadrillez-moi tout le secteur. Au rapport, on les a repérés? Y'a rien de ce côté. Tiens! Ici, là!
côté gauche. Je crois que c'est par là. Ok. On est de l'autre côté du poste de contrôle. Et maintenant ? Lina. Ouais. Donne-moi la main. Hé, ce bâtiment rond, on dirait la station télé de ta carte. Ouais. Viens. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben, dis donc. La ferme. J'allais quand même pas te laisser faire ça toute seule. Je suis contente d'être là. Oh merde ! C'était quoi ça ? Il a foncé dans un piège. Un quoi ? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. Ok. Ah.
Ellie ! Putain, tout va bien. Allez ! Cette Léa, qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des Orves. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Des dessins, alors. Genre, un pied qui trébuche sur un fil et après, un grand feu. Je suis sûre que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je vais le voir écrit noir sur blanc. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joël qui avait piégé une ville entière. Les habitants, ils faisaient comment? Il était tout seul. Attends, il avait une ville entière pour lui tout seul? Il était du genre méfiant. C'est triste. Mais ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme si on devait choisir entre survivre et être proche des gens. Tout n'est pas noir ou blanc. Hé, regarde. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout. Je sais pas. Putain de merde. Ils ont été tués par balles. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste... l'odeur. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non. Il n'y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Je vois pas de Wolf. Non. Mais on ferait mieux de faire gaffe quand même. Oh. Encore des cadavres. Tué par balle, aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. Bête. Ça fonctionne. Ouais. J'ai vu Joël faire ça une fois. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas... Ouais. Faut qu'on fasse gaffe.
Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux. Tiens, ici aussi. Huh. C'est la station télé. Fais pas dans la discrétion, là. Peut-être que Léa viendra jusqu'à nous, alors. Ouais. Ou alors, ils vont nous attendre avec une embuscade. Ah, il faut que j'entre là-dedans. On y est. Plus un bruit. Ça a l'air désert. Je me méfie. Tu vois une entrée ? Pas encore. Bordel. Oh, c'est violent. C'est Tommy, tu crois ? Viens, on entre. Yeah!
Non, ça, c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel? Je sais pas. Mais ils ont voulu faire passer un message. Ça vient juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. Cadavre là-haut. J'aime pas ça. On est trop à découvert. Il faut qu'on regarde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais... C'est quoi ça?
C'est elle. T'en es sûre? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. Dina. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. C'est elle qui l'a tué. Droit de moi, pas vrai? Unité de soutien India en route vers la station télé. Je répète, unité de soutien India en route. Ouais, faut qu'on se tire d'ici. Bon, elle est morte. Comment tu te sens? J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été dommage de la forcer à parler. Tous morts! Ces enfoirés de Scar les ont tués! On se déploie! Il y a peut-être encore des Scar dans le bâtiment. Faites gaffe! Comment on va? Faut que quelqu'un aille prévenir la base par radio. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? L'épée détente. Faut d'abord s'assurer que le bâtiment soit vide. Pas question de les laisser là-haut. C'est pas ça qui les sauvera. Alors bouge-toi le cul! Oh non, quoi? Quoi? Bordel, quelqu'un l'a tué! Thank you.
On a encore perdu quelqu'un! Qui c'est qui fait ça? Des scars? On continue. Trouvez un passage. Des sports. On met les masques. Ok. Faut qu'on avance. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Claqueur. Qu'est-ce qu'on en a ?
foutre de ces intruses. Des Scars viennent de buter toute une unité. Pourquoi on les laisserait pas ici? Les infectés vont les bouffer. Ce bordel, ils ont repéré. Dina. Comment ils nous appelaient? Scar. Je me demande si c'est les Scars qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étrippé tous ces wolves. Putain, il n'y a que des tarés dans cette ville. C'est clair. J'ai déjà vu un truc pareil.
Les colosses balancent des spores acides. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit un. Je sais pas contre quoi ils se battent, mais on devra les laisser s'entretuer. Un placard mort. C'est comme ça que je les aime. C'est quoi le plan? Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller? Ça va le faire. L'échelle est pétée. Ces enfoirés. Ils t'ont eu? Non, j'ai rien. Des puants? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs? Ouais.
D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? J'en sais rien. Mais ils sont horribles. Allez, on va voir où ça mène. Prends ton temps. J'y suis, presque. Ok. La voie est libre. Enfin, je crois. Cool. Des puants. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdes. Que veux-tu? C'est la nature. Ouais, ben la nature, c'est une sacrée connasse. Voyons voir. Oui. Comment t'as fait ça? C'est magique. Tu sais que je t'aime, toi. Tu trouves pas qu'on dirait la nana du graffiti d'Esca? Si.
Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Envie de me casser d'ici. Pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident de train, peut-être. Merci, Sherlock. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Je vois de la lumière. Alors on monte. De la lumière. Hé, je vais t'aider à monter. Ouais. Trouver quoi? Ok. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Passe devant.
Cache! Ellie, ton masque! Tiens, prends le mien! Non, 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 non! L'enlève pas! Dina, stop! Ellie, stop! Quoi? Non! Ellie, non! Arrête! Je suis pas infectée! Je suis immunisée! Je tousse pas, regarde! Merde. Dina! Tu peux courir? Ouais. Oui! Alors, vas-y! Fonce! Cours, Dina! Nelly! Je suis là! Je te ralentis pas! Dans ce théâtre. Ah, c'est une putain de bonne idée. Tu y es presque. Je te tiens. Va-t'en là. C'est bon? Y'a personne. Viens. Tu peux me dire ce qui se passe, au juste? Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Toi aussi, maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis ?
Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Oh, ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller m'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi. Quelqu'un habitait ici. Faut que je remette le courant. Bon sang. T'as grillé ? C'était pas ton truc, l'électricité. C'est quoi ça ? Nickel.
Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. De regarder un film ici. Génial. Flippant. J'y crois pas. Ça donnait quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons? Ça, j'en sais rien. On dit une portée. Fais attention. T'inquiète. Oh. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste.
Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repousser l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu le vois, juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben. En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con. Je te demande pardon. Moi et une copine, ils nous énervaient quand ils traitaient les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Est-ce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais... bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non. Attends, une collection de DVD? Oui. Mais, laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Je crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise! Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure! Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Ellie, sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure. Oui, et ben justement, évite de faire une chute mortelle. Regarde-moi, je suis sur un putain de dinosaure. Wow, qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas. Ellie, descends. Oui, j'ai vu ça. C'était pas incroyable? C'est incroyable que tu te sois rien cassé.
Ah, c'était mortel. Non, c'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Waouh, génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Tête. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Joël. Ellie. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Wow, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Oh, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Triceratops signifie « tête à trois cornes ». T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Triceratops... Enfin que je reconnais. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes.
C'est pas la taille qui compte. Le nom Galliminus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes ! Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde ». C'est quoi ce film ? Et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh. Pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois ? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais. Le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. T'allais souvent au musée ? Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois ? Tu savais qu'il y avait ça ? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes ? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là ? Mon Mercure ? Vieux, Vénus, tonton, terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Hé, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace ? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Et ça les a transformés en super mouches ? Quoi ? Non. Waouh. T'en as d'autres, des infos marrantes ? D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah ouais, ça, c'est marrant.
Mais attends, comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roches et qu'ils les ont sentis après. Ok, et maintenant ? À toi de me le dire. T'as qu'à me poser des questions ? J'en sais rien. Qui a été le premier homme dans l'espace ? Ah, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire ? Gagarin ? Je sais pas comment on le prononce, je l'ai seulement lu. Enfin bref, il a décollé le 12 avril 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. T'as lu combien de bouquins là-dessus, au juste ? Attends, Joël, tu trouves pas ça dingue ? J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point. Je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile. Tout est relatif, mais bon, admettons. Je veux dire, ils étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était... couillu. Couillu. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Eh, tu savais que les boucliers thermiques des navettes spatiales étaient à base de sable ? J'en savais rien. Je pensais que c'était un genre de caoutchouc épais. Non, juste du sable. Y'a pas de quoi. Encore une ? Vas-y. Les astronautes boivent leur propre urine. Elle est filtrée. Mais bon, quand même. Je suppose qu'ils devaient faire avec les moyens du bord. Ouais, j'imagine que c'est moins marrant comme info. C'est combien de fois on est allé sur la Lune ? Deux. 6 fois. T'en es sûr ? Ouais, je suis sûre. Avec moi, ça fera 7. Génial. Il est où le volant ? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover ? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Ça sent l'espace et la crasse. T'imagines le truc ? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça ? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la.
Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain! Eh bien, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Attends. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Fait pour mériter ça. Allez, viens! Non! Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo! Génial. Fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe.
Il y a des dinosaures dans le coin. Oh, garde le moral, mon vieux. En voilà un qui en manque de câlin. Sombre ici. Putain d'animaux en toc. C'était quoi, ça ? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens ?
toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé ? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle ? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Du bien. Écoute, je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de scars ? À vous. Ce ne sont pas des scars. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Tina. Ouais. Ça va pas fort. Hey. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit ? Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy.